La production de blé dépasserait les 38 millions de tonnes en 2019, soit une des plus importantes récoltes de ces dernières années. Ceci malgré la sécheresse. Et on observe une hausse des rendements et aussi une hausse des surfaces qui conduisent à ce résultat cette année. La canicule et les effets de la sécheresse n'auront pas eu un effet négatif sur le rendement comme on pouvait le craindre ce mois de juin. De plus, la qualité est au rendez-vous et on peut se retrouver avec des blés d'un très bon niveau qualitatif sur le marché mondial. Au niveau mondial, également, les résultats sont très bons, avec l'Ukraine et la Russie qui vont atteindre des récoltes records. On va donc se retrouver avec des exportateurs très agressifs et des stocks de report chez les exportateurs importants qu'il faudra écouler. On observe donc une concurrence féroce sur les marchés mondiaux. Les pays exportateurs donc, se sont positionnés et la France, l'Europe sont relativement bien positionnés grâce à une parité euro-dollar qui est favorable et grâce également à une démarche agressive au niveau des marchés qui a eu lieu très tôt en campagne, dès le mois d'août. Au niveau de la stratégie des opérateurs, on peut noter deux impacts forts. Le premier au niveau des metteurs en marché, avec un positionnement agressif dès le début de la campagne. C'est un point qui leur avait été reproché les années d'avant. Et donc, de façon à pouvoir prendre les parts de marché très tôt, se positionner très tôt face à nos concurrents mer Noire. Ça a été fait cette année. Le deuxième enjeu, il est pour les producteurs. Tout au long de la campagne, nous avons observé des cours en dents de scie avec des opportunités, qu'ils soient tôt ou voire avant la récolte. Et donc, quand les prix de seuil sont atteints, il ne faut pas hésiter à se positionner, ce que trop peu de producteurs ont fait sur cette campagne.